laver ma gloire vivant, nourrir ma parole vivant, pour me servir mon Dieu vivant, tout autant moins été vivant. Bon Dieu béni ou moi, bon Dieu béni ou. La paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous. Moi, en action de grâce au Seigneur pour le privilège qu'il y a accordé mon corps. Pour moi, ça fait deuxième intervention. Et il te permet de nous parler. Et maintenant encore, il y a un privilège pour nous faire ça. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Comme j'aime toujours dire, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je ne le fais pas. Texte nous, c'est Romains 5, verset 8, texte de base. Et thème qu'a traité pour moi, c'est l'amour de Dieu. L'amour bon Dieu. Romains 5, verset 8, la procédure de deux textes, c'est Romains 5, verset 8, qui est le texte de base. Joint à Jean 3, verset 16. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 5. Alors, or l'espérance ne trompe point. C'est le texte de base. J'ai mal dit tout à l'heure. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu envers l'humanité. L'amour de Dieu envers l'humanité. Ici, envers l'humanité, montrer que bon Dieu pas fait exception de monde pour le remet. Bon Dieu remet tout le monde. C'est pourquoi l'aime tant dont monde dit, oh, c'est parce que Israël te refusé Jésus-Christ qui vient nous venir par nos saluts, mon salut a fait mal. Ce n'est pas parce que Israël t'a rejeté Jésus-Christ qui vient nous venir par nos saluts. Salut a été offert à tout le monde. Jean 3, verset 15. Genèse 3, 15 qui dit, car je mettrai inimitié, discorde, ring-hang entre eux, ta postérité et sa postérité. Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15, où il est dit, je mettrai, ouais, je, ici c'est l'Éternel même, mettrai inimitié, c'est-à-dire discorde, ring-hang, entre toi et la femme. Entre toi, c'est-à-dire entre le serpent et la femme, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc ici là, promesse de salut, l'y fait là à tout le monde. Et quand on parle de la postérité de la femme, c'est ça où tu peux le venir, connaître Jésus-Christ comme Seigneur. Ici, en nous suspendant aberration ça, disant que c'est parce que Israël était rejeté en Jésus-Christ qui fait le gain par notre salut. Non! Israël était un peuple à vocation missionnaire. Dieu a choisi ce peuple pour porter la bonne nouvelle à toutes les nations.
Donc, de par Israël, le monde croira que Jésus-Christ est Seigneur. Mais puisqu'ici, en Jean 1er, verset 11 dit, elle était venue chez les siens. Ici, la parole, le verbe, l'expression de Dieu. Dieu s'est fait chair à son fils Jésus-Christ. Il était venu chez les siens, c'est-à-dire il était venu parmi les Juifs. Il était venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Ici, il se tourne le dos dans le verset 12 en disant, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ici, là, ça veut dire que nous n'étions pas nés enfants de Dieu de manière spirituelle. Nous sommes nés créatures de Dieu. Nous sommes nés créations de Dieu. Donc, ainsi, accepter Jésus-Christ, ça nous donne la possibilité d'être, de devenir enfants de Dieu. Ainsi, cette mission qui a été confiée au peuple juif et qui est refusée par celui-ci, eh bien, Dieu nous accepte pour que nous propagions cette bonne nouvelle, à savoir, il n'est pas méchant, à savoir, il est quelqu'un qui aime, il est quelqu'un quand il dit, la chose arrive, quand il ordonne, elle existe. Donc ici, puisque l'amour de Dieu est actif, l'amour de Dieu est pratique, il peut le prouver là. Dans Jean 3, verset 16, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, le plus grand don. Il a donné le Fils unique, le plus grand don. Il a donné le Fils unique, le don exceptionnel. Le don à nul autre pareil. Un don qui n'est jamais fait par quelqu'un d'autre à l'avance. Car Dieu a donné son Fils unique, son unique, à ceux qui croient en son nom, sans exception aucune. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ici, là, ce Dieu que nous avons, Dieu qui siège dans son trône et qui est partout, car il est omniprésent, ce Dieu qui est capable, ce Dieu qui veille sur tout ce qu'il a, il est le Dieu omnipotent, El Shaddai. Et ce Dieu qui connaît tout, il est le Dieu omniscient. Donc, Matthias, somme frère mieux, captain des moins, nous besoin appuyer nous sous bon Dieu ça qui fait un berger exceptionnel. Un berger qui sert où? Tout pour la pour arriver. Gon côté le pape cap monter dans l'ope là. Gon côté la capé. Et c'est avec roulette li et bâton li. Nous devons appuyer sous Jésus-Christ qui se berger nous, qui est pas un mercenaire. Il est avec nous, il dit jusqu'à la consommation des siècles. Dieu ne va jamais abandonner. Au contraire, c'est nous qu'on quitte lui. Donc ce berger-là, dont l'amour est exceptionnel, eh bien, il dit que lorsqu'on a David, disons, dans l'expérience qu'il a faite, en Psaume 23, il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Peut-être qu'on va dire, bon, je ne vais pas manquer rien, et puis maintenant, là, je vais manger, je ne vais pas manquer. Non, c'est-à-dire que provision de tout ça où on va avoir besoin, lit déjà, non, bon Dieu, lit provision faite déjà. Mais seulement, il ne reste qu'à attendre, disons, le moment opportun. Parce que Dieu sait quand donner, où donner, pourquoi donner. Dieu sait quand donner, où donner, pourquoi donner. Donc, puisqu'il travaille à notre bien,
comme il est dit en Jérémie 29, verset 11, je connais. Ici, il a dit, Dieu prend sa responsabilité. Ce n'est pas un style indirect, c'est un style direct. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc ici, le plan de Dieu, c'est pour que toute l'humanité ait une vie excellente, ait une vie à nul autre pareil. Donc c'est pourquoi David se sentait fier de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Frère Samuel. À nous, accrochez-nous. À nous, appuyez-nous. À nous, arrêtez au pied de ce berger qui va plaguer nous. Qui va plaguer nous, les lions au paraître. Qui va plaguer nous, les loups au paraître. Qui va plaguer nous, dans quelque sorte difficulté. Qui va rester avec nous jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Qu'aimez-la. 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 Restez au pied du maître, comme les disciples. Restez au pied du maître, comme Marie. Et nous va jouir. Tout ça nous doit jouir. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu bénisse nous. Passez une très bonne journée. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.